Salut les amis de Fred de Mazières, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Un petit peu particulière parce que je vais vous montrer un petit peu les coulisses de mes montages vidéo. Alors je vais vous montrer un tout petit résumé, je ne vais pas vous faire une vidéo entière parce que ça dure des soirées et des soirées. Je vais juste vous montrer comment je réalise mes montages vidéo. Et puis, puis après, vous saurez ce que j'endure quand je fais ça. C'est un plaisir, hein. Tant que c'est du plaisir, c'est bon, c'est bien. Si ça devient une contrainte, là, c'est plus la peine que je continue. Donc, tout va bien, les amis. Pour l'instant, c'est que du plaisir. Car je fais le montage pour vous, bien sûr. Mais je le fais aussi pour moi, pour avoir un résultat de bons souvenirs. Voilà. Je vais vous proposer déjà de découvrir ce que c'est que mon cahier. Voilà. Hop, mon cahier de montage. Alors, vous remarquerez que quand je fais les montages vidéo Fred de Mazières, justement, je ne suis pas habillé en Fred de Mazières. Je suis en tenue civile, décontractée, tranquille, pépère à la maison. Donc, je vais vous montrer comment je réalise. Donc, avec l'aide de mon cahier, toutes les vidéos. Voilà. Allez, c'est parti pour un montage vidéo avec vous, les amis. Alors, les amis, je vous en ai parlé. Mon cahier, je vais vous le montrer. Je tourne les pages devant vous. Voilà. Voilà. Donc, vous allez assister à une partie du montage de la Louvière Lauragais. Vous le voyez, j'ai déjà commencé, hein. Par exemple, pour commencer, j'avais fait un plan drone, un autre plan drone, un troisième plan drone. Et après, c'est les premières vidéos avec le panneau, plus explications, plus cimetière. Et à côté, la vidéo qui va avec, c'est-à-dire en face cam. Voilà, je vous montre, je suis désolé pour l'écriture parce que j'écris très vite pour enchaîner au maximum les séquences pour le montage, mais voyez. Donc je fais à chaque fois, je remplis ceci et puis là, c'est moi. c'est l'affiche d'ailleurs, la photo qui a servi pour l'affiche du lac de Bethmal en automne. Et donc je vais vous montrer de suite. Par magie, hop, voilà, tac, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit, les amis, qu'il y a des vidéos que je prends, des rushs, voilà, et que je les applique donc ici. Alors ici, les amis, ça vous connaissez, c'est l'intro, le générique d'intro. Je vais vous le mettre, vous allez le voir apparaître dans cet écran-là. Je vous le mets, ça fait ça. Remarquez donc là la barre rouge qui avance au fur et à mesure que la vidéo se déroule. Voilà, alors là c'est la première séquence plan drone, vous le voyez là. Voilà la seconde séquence. Je vous le montre parce que vous avez déjà vu la vidéo. Hein. Normalement. Vous allez la voir bientôt. Voilà. Là, je fais pause parce que j'ai pas besoin de vous montrer toute la vidéo. Donc ici, j'ai tous les rushs. Ici, je mets mes films. Là, vous voyez, là, ici, là. Alors, je vais essayer, voilà. Ici, vous voyez, c'est l'intro, le générique début. Ici, c'est le premier plan drone. Et ici, vous remarquerez, c'est de la musique que je mets. Voilà, je rajoute de la musique pour avoir le fond sonore, vous savez. Et puis là, je vais vous le faire avancer un peu, regardez. Là, je mets notre musique, donc il faut que je baisse celle-ci. Là, ça fait donc, quand on enchaîne, je vais avancer un peu, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà.
je vous montre pas la suite. Je voulais vous montrer également quelque chose d'important. C'est ceci. Voilà. Ceci. Et ceci. Alors, pourquoi c'est important? Je vais vous le dire pourquoi. Tout d'abord, là, il y a ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle, moi, le paysage. C'est-à-dire que c'est ce que je filme devant, comme je suis en train de faire actuellement avec la caméra que je filme, là. Deuxièmement, vous avez en haut la face cam, c'est-à-dire celle qui me filme à moi. Et tout en haut, vous avez le contour rectangle. C'est-à-dire que quand je vais aller ici, tac, voilà, vous allez voir. Vous voyez en haut que je suis dans un carré rouge, c'est le contour rectangle. Ça, c'est la face cam, et ça, c'est le paysage. Voilà, tout simplement. Voilà, en faisant ces trois-là, bon, là, il n'y a pas la musique puisque j'ai fait pause, mais en faisant ces trois choses-là, on obtient 1, 2 et 3 avec... Alors les amis, pour l'instant, je n'ai rien fait de nouveau sur la vidéo que je suis en train de monter. J'attendais de pouvoir le faire avec vous. Donc je vais le faire de suite. Alors c'est simple, on va poser la caméra. Si j'arrive, sans vous faire tomber les amis. Voilà. On va vous mettre comme ça, voilà. Comme ça, vous voyez les livres aussi. Alors, ce que je vais faire... Je vais déjà chercher la prochaine vidéo. Là, c'est la vidéo 106-37. Donc, je vais importer, ajouter un fichier. On va chercher paysage. Là, voilà, la 38. On va l'ajouter. Voilà, donc ça, je l'ajoute. Là-dessus, vous allez être d'accord avec moi, il faut que je mette une transition. Donc, je vais chercher la transition dans les favoris, fondu enchaîné, je la mets là. Et là, ça va nous faire une transition, regardez. Hop, voilà, vous l'avez vu. Petite transition. Alors, vous avez entendu le bip bip bip. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tout simplement, il y a la face cam qui va rentrer en jeu. Donc, pour l'instant, je ne la mets pas. Je regarde la séquence en entier. Alors, les amis, on est le 4 février, le dimanche. Et je le note. J'ai voulu à tout prix venir là. Pourquoi? Parce que... Oui, je suis en train de noter. Légèrement maintenant. Ce matin, il y avait... Alors, je marque... Nappe de brouillard. Explication. D'ailleurs, on voit qu'il en reste un peu là. Météo. Tout au long là. Et puisque c'est de ça qu'on parle. Et que je parle. J'ai sauté dans la voiture et je suis venu pour faire. Regardez. Vous voyez que le trait avance, la vidéo aussi. Plans avec vous pour pouvoir filmer la beauté que l'on a des paysages depuis ce village. Je vais marquer qu'on a une belle vue. C'est vraiment... Comme je vais m'arrêter sur la vue, je pense, là. Donc, alors on se situe, je prépare... À l'Aude. C'est magnifique. À la frontière, quasiment, de l'Ariège et de l'Aude, puisque la frontière, vous avez, c'est Molandier, mais après, le village suivant, c'est bien la Louvière. De toute beauté, les amis. Voilà. Donc, maintenant que je sais de quoi ça parle, je vais insérer. On va ajouter, importer, ajouter un fichier. Hop, on va chercher dans Facecam. C'est le 95 que je dois prendre. Tac, le voilà. Hop, on le met. Voilà.
Je le mets là. Il va me demander en quelle sorte je le veux. Je le veux en logo. Donc il va de suite se mettre là-haut. Là. Vous voyez, sur la partie haute là. Je suis en logo. Je copie le rectangle. Je le colle là. Je vais soit le réduire, soit l'agrandir. Mais là, c'est le réduire. Voilà. Et maintenant, vous voyez, il y a deux pistes de son. Alors, j'enlève la flèche, pardon. Deux pistes de son bleues, là. La première, la deuxième. Celle-ci, c'est la piste de la caméra face cam. Ici, c'est la piste de la caméra paysage. Alors, ce que je fais généralement, je laisse le début de la paysage et j'essaye de mettre parfaitement aligné les dialogues, la parole, pour que ce soit synchro, c'est le cas de le dire. Alors attendez, je vais vous montrer ça, les images parlent d'elles-mêmes. Là, je suis en train d'agrandir les images, je reviens en arrière. Voilà. Alors, par exemple ici, ça va être simple, vous avez de la chance, moi je galère davantage d'habitude, mais là c'est simple. On va prendre, mais oui, là, le début d'ici, là, vous voyez, ici, là, ce début-là, on va le prendre, cette petite montagne, là, si on peut appeler ça comme ça, je vais l'agrandir un peu plus, voilà, alors, voilà, je me mets là, ici, vous voyez, et là, je vais prendre les deux qui me reste là, voilà, tac, allez, voilà, et je vais reculer ça pour qu'il soit, alors attendez, non, là c'est pas bon, je vais recommencer, alors attendez, que je me retrouve où je suis là, tac, ici, voilà, ça, je veux que ce soit au départ là, et là, je veux que ce soit au départ là, je pense. Je baisse, je réduis du coup là, et je mets en lecture et je vais voir si c'est synchro ou pas. Écoutez bien les paroles. Alors les amis, on est le 4 février, le dimanche 4 février. J'ai voulu à tout prix. Voilà, là on se rend compte que c'est bien synchro, que les paroles de cette vidéo et de celle-là sont au même niveau, au même moment. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, je vais baisser ici. Je vais cliquer. Je baisse le volume du début de la caméra, là, que vous êtes en train de regarder. Je suis en train de baisser le volume, celle-là, par exemple. On va le mettre à 0 jusqu'au bout, sauf là, hop, voilà. Là, on remonte. Voilà. Tout doucement comme ça, et là on va écouter pour voir si c'est bien. Lecture. Alors les amis, on est le 4 février, là c'est parfait. Toute beauté les amis. Voilà, là c'est pas bon, il faut juste que je décale un peu ça. Voilà. On va réessayer. De toute beauté, les amis. Voilà, c'est parfait. Voilà. Les amis, vous venez de voir un montage et vous avez la chance parce que celui-ci s'est bien passé. Mais il faut savoir un truc, c'est que souvent, ça ne se passe pas aussi bien que ça. Hein. Je dois vous avouer que parfois, je galère. Je galère énormément parce que il y a du vent, ça fait des espèces de pics supplémentaires qui m'embrouillent totalement. Je n'arrive plus à lire les partitions, on va dire, de son. Et c'est très compliqué à gérer, croyez-moi. Alors, c'est vrai que la vidéo que vous êtes en train de regarder est un format assez court. Et c'est normal, je ne vais pas vous saouler avec toute une vidéo entière.
Mais sachez, les amis, que c'est beaucoup de travail. Et ce travail, je le réalise avec beaucoup de plaisir. Et si je peux en avoir d'avance, c'est bien. Mais en ce moment, les randonnées, à l'heure où je tourne cette vidéo, sont assez rares maintenant que j'ai réalisé, du moins. J'en ai quasiment que une ou deux d'avance. Donc, je suis obligé de sortir en faire. Et là, tout le mois de février, ça va y aller. Tous les dimanches, je vais être dehors. Donc voilà. Tout ça pourquoi? Pour vous dire tout simplement que le travail de montage n'est pas un travail facile. Il y a des contraintes, il y a des choses à respecter. Et ça me fait plaisir de le faire une nouvelle fois, j'insiste, parce que c'est vrai. Et sachez, les amis, que c'est loin d'être la dernière, parce que j'ai tellement, tellement, tellement de projets à faire que, croyez-moi, vous n'avez pas fini de voir mes vidéos. En tous les cas, les amis, je voudrais vous remercier et vous proposer donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de m'encourager avec un pouce bleu et de partager, bien sûr, la vidéo. Elle est courte, celle-ci, parce que c'est une hors catégorie. Je voulais juste vous montrer un petit peu comment on fait pour monter les vidéos. Si, il y a un truc que je peux vous montrer, les amis, c'est ça, regardez. Hop, je tourne. Tac. C'est quand j'exporte, je clique là-dessus. Voilà, il y a le titre qui s'affiche, là. Je mets, hop, en là. Tac. Je le mets en 4K et puis après je fais OK et là ça voilà, là je fais démarrer et là ça part pour l'enregistrement, mais je vais pas le faire puisque la vidéo n'est pas finie. Voilà les amis, c'est sur ce que je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, bye.